Nanaya, dites-moi, échangeriez-vous votre relation actuelle pour une semaine aux États-Unis? Nanaya, le billet d'avion est où? C'est déjà prêt. Amenez ça. Et là, non, vous n'allez pas dire. Amenez le billet d'avion. Et la tata là? Amenez le billet. Nanaya, dites-moi, échangeriez-vous votre relation actuelle pour une semaine aux États-Unis? Ouais, shop même. Ouais, le billet. Sinon, moi, je suis déjà prête. J'avais ça, c'est à la maison. Je vais le prendre et arriver là-bas, je vais faire la lessive. Sérieux? Oui, je suis sérieux. La lessive, quoi? Et tonton, là? Quel tonton? Nanaya, dites-moi, échangeriez-vous votre relation actuelle pour une semaine aux États-Unis? Non, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qu'on me réserve aux États-Unis. Je préfère rester dans ma relation actuelle. Vous allez prendre le risque pour un homme? Oui, je préfère prendre le risque. Nanaya, échangeriez-vous votre relation actuelle pour une semaine aux États-Unis? Oui. Simplement comme ça? Ah, on me demande ça, ça là, c'est vite fait. Nanaya, dites-moi, échangeriez-vous votre relation actuelle pour une semaine aux États-Unis? Elle n'avait aucun problème. Pourquoi? Je ne peux pas laisser ma famille comme ça. Ah, ce que j'ai avec ma femme, vraiment, ça dépasse ce que j'ai fait à l'États-Unis. Et ça serait difficile, très difficile pour moi. Nanaya, dites-moi, échangeriez-vous votre relation actuelle pour une semaine aux États-Unis? Non, je n'accepterai pas. Pourquoi? Puisque je suis heureuse là, dans le couple où je suis, je ne manque de rien, donc je ne veux pas prendre ce risque. Une semaine aux États-Unis, tout frais payé, tout, vous n'allez pas aller? Non, je ne veux pas.